Bien, bonjour. D'abord, merci. Merci de l'invitation. Merci aussi pour cette confiance. L'ouverture des États généraux, c'est effectivement un moment assez unique dans une vie syndicale. Il n'y en a pas beaucoup et ça fait plusieurs années que c'est demandé au Québec de tenir des États généraux. Vous allez voir aujourd'hui, je vous ai préparé trois blocs dans ma présentation. Deux blocs qui font un peu mal, je vous le dis d'avance, parce que je fais un peu le bilan des grandes tendances en matière de syndicalisme, mais aussi en matière de relations de travail. Donc, comment l'acteur syndical au Québec a réussi à tirer son épingle du jeu au cours des 30-40 dernières années. Et la dernière partie, c'est la partie où je dirais qui est, selon moi, vraiment une mise en bouche de ce que vous allez faire dans les deux prochains jours. Je vais vous poser des questions parce que j'ai accepté cette invitation-là, mais je dois vous dire que je l'ai acceptée en toute humilité. Oui, j'étudie le mouvement syndical depuis plusieurs années et je prétends pas avoir toutes les réponses. Et je ne prétends pas non plus savoir mieux faire les choses que vous, parce que c'est vous qui êtes les acteurs du changement. Mais les organisations syndicales, c'est des grosses machines, c'est des machines qui sont complexes à faire changer, à faire évoluer. Et c'est pour ça que vous devez capitaliser sur la prochaine semaine, sur les prochains jours qui vous sont donnés, parce que de la part d'une direction syndicale, ça prend quand même beaucoup de courage pour lancer une réflexion aussi en profondeur. Puis ça, il faut que vous en ayez conscience. Il faut que vous ayez conscience que si vous n'occupez pas le terrain dans les deux prochains jours, bien, ce sera un événement raté ou un événement manqué, parce que c'est le bon moment de soulever les enjeux qui préoccupent votre membership et de soulever aussi ce qui fonctionne, mais ce qui fonctionne moins bien aussi, et d'avoir le courage de se le dire. Donc, je vous ai présenté les trois blocs que je vais aborder dans le cadre de cette présentation-là. Vous allez voir, là, je vais devoir passer rapidement sur plusieurs diapositives, mais si vous voulez recevoir le PowerPoint, je pourrais l'envoyer à l'organisation. Il y a beaucoup de stats, j'ai beaucoup de matériel, et comme d'habitude, j'en ai beaucoup trop. Donc, je vais devoir passer assez rapidement sur certains sujets, mais s'il y a des choses que j'ai couvertes trop rapidement, bien, n'hésitez pas à me poser des questions à la fin, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, quelles sont les grandes tendances en matière de syndicalisme? Bien, je pense que ça fait 20 ans qu'on se dit que le syndicalisme est en crise, que le syndicalisme et les organisations syndicales sont appelées à être renouvelées. Mais il y a aussi un contre-discours, hein, puis surtout au Québec. Un contre-discours parce qu'on se pète beaucoup les bretelles au Québec avec notre taux de syndicalisation autour de 40 %. Puis on dit, chez nous, ça évolue pas tant. Chez nous, on est stable, on a réussi à maintenir notre taux de syndicalisation. Mais derrière ce taux de 40 %-là, il y a une réalité alarmante dont il faut avoir en tête quand on traite du syndicalisme au Québec. La première, c'est que le 40 % tient compte d'un taux hyper élevé de syndicalisation dans le secteur public qui dépasse les 80 %. Ce qui est particulièrement alarmant, c'est ce qui se passe au niveau du secteur privé. Donc, depuis quelques années, on a franchi un plancher historique qu'on n'avait jamais atteint au Québec. On est maintenant autour de 23 % de taux de syndicalisation dans le secteur privé, c'est-à-dire qu'il y a 77 % des travailleurs au Québec dans le secteur privé qui n'ont pas la protection d'un syndicat et qui n'ont pas une protection conventionnelle. Donc, ça, c'est une sonnette d'alarme importante. Et j'ai fait l'effort d'analyser toutes les requêtes en accréditation qui ont été déposées dans la dernière décennie pour voir comment on organisait, où est-ce qu'on organisait et comment on devrait orienter nos efforts d'organisation. Mais certainement que ce taux de syndicalisation-là de 23 % dans le privé, ça doit être une sonnette d'alarme pour toutes les organisations syndicales parce que l'emploi, oui, il y en a de l'emploi qui se crée dans le secteur public, mais la majorité des emplois à l'heure actuelle se crée dans les nouveaux secteurs de l'économie et c'est dans le secteur privé que ça se crée. Donc, il va falloir réfléchir à des façons d'aller mieux organiser le secteur privé et de faire en sorte que nos organisations syndicales puissent s'adapter à ce nouveau monde du travail dont on vous parlait, mais aussi à ces nouvelles catégories de travailleurs-là qui explosent. Hein? On n'est plus à un simple modèle ou à un travailleur typique au Québec. On a une explosion des statuts, on a une explosion des formes de travailleurs et partout dans le monde, les organisations syndicales à l'heure actuelle jouent sur de multiples tableaux pour organiser différemment et pour offrir une protection sociale et une protection législative aux travailleurs, même aux travailleurs de la demande. Donc, il faut se pencher sur cette question-là absolument. Donc, c'est la première sonnette d'alarme.
Donc, je m'attarde pas beaucoup, mais vous voyez aussi que derrière notre taux de syndicalisation de 40 % il y a quand même des secteurs qui ont franchi des planchers historiques. Je pense, entre autres, à l'hébergement-restauration, où on est maintenant à moins de 10 % malgré tous les efforts qui sont investis dans ces secteurs-là pour essayer de les organiser. Commerce également, on est en bas du 20 % Donc, si on a des bastions traditionnels qui se maintiennent au fil des années, il y a quand même des secteurs où les travailleurs sont ultra précaires, qu'il va falloir mieux organiser et organiser davantage. Une tendance historique qui s'est inversée dans les dernières années concerne le taux de syndicalisation entre les hommes et les femmes. Donc, oui, historiquement, les hommes ont toujours été plus syndiqués que les femmes parce qu'on était dans des secteurs de l'économie plus masculins. Bien, dans les dernières années, cette tendance-là s'est inversée parce qu'on a créé beaucoup d'emplois, parce que le secteur de l'éducation, santé, services sociaux se sont développés beaucoup et ce sont des emplois féminins. Donc, le taux de syndicalisation des femmes surpasse maintenant celui des hommes. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle parce que traditionnellement, ces emplois-là ont tendance à être sous-évalués. Donc, le fait qu'ils soient davantage syndiqués, c'est quand même une bonne nouvelle en soi. Donc, que faut-il retenir, finalement, de toutes ces tendances-là? Et comment on peut juger ou observer ou analyser le travail syndical en matière d'organisation et de syndicalisation? Donc, j'ai fait l'effort, comme je vous disais, d'analyser les requêtes en accréditation qui ont été déposées en 2009-2019. J'ai volontairement exclu 2020-2021 parce qu'on était dans des années de pandémie. Donc, j'ai arrêté cette analyse-là à 2019. Ça faisait une décennie complète qui a été analysée. Et je me suis demandé où est-ce qu'on organisait. Est-ce qu'on organise en champ libre, premièrement, ou on se contente de se marauder entre organisations syndicales? Dans quel secteur on organise aussi? Est-ce qu'on syndique ou on organise uniquement les secteurs qu'on connaît ou on observe les grandes tendances en matière de création d'emplois et on essaie d'aller organiser ces secteurs-là où la majorité des emplois se créent? Il y a eu définitivement des difficultés importantes dans les dernières années à recruter des nouveaux membres au Québec. En particulier, évidemment, dans les nouveaux secteurs de l'économie, vous avez la biotechnologie, médias, finances, etc. Ce sont des secteurs qui sont très difficiles à pénétrer par les organisations syndicales. Ce qui est inquiétant, c'est que le nombre de salariés visés par une première convention collective diminue année après année. Donc, on est passé de 13 300 employés en 2001 et on est en 2020 autour de 6 641 salariés visés par une première convention collective. Donc, ça, c'est un signe qu'on réussit à organiser moins de nouveaux travailleurs et ça aussi, c'est une donnée qu'il faut avoir en tête. Maintenant, où est-ce qu'on a organisé? Où est-ce qu'on a placé nos billes comme organisation syndicale? Bien, les secteurs qui ont connu les plus fortes croissances d'emplois au Québec, ce sont dans ces secteurs-là où on avait déjà des taux de syndicalisation qui étaient fortement élevés. Donc là, je m'explique, construction, il y a eu une forte poussée de l'emploi, hein, plus 42 600 emplois, services de l'enseignement, soins de santé et assistance sociale. Donc, beaucoup d'emplois créés dans ces secteurs-là, mais des secteurs très fortement déjà syndiqués. Donc, c'est pas là qu'on va pouvoir faire des percées dans les prochaines années comme organisation syndicale. Il faut essayer de sortir de la zone syndicale traditionnelle et aller organiser à l'extérieur de cette zone traditionnelle-là. On a aussi connu de fortes croissances d'emplois dans des secteurs qui, eux, sont faiblement syndiqués. Je pense, entre autres, aux services d'hébergement, services de restauration. Puis, vous allez voir des données plus loin, là, les requêtes en accréditation ont fortement ciblé ces secteurs-là, là, du service tertiaire traditionnel. Et donc, il y a eu une affirmation de la part des organisations syndicales d'aller organiser des travailleurs qui sont précaires. Par contre, on a beaucoup d'emplois. En fait, la catégorie de travailleurs qui a connu la plus grande progression dans les dernières années, c'est celle des professionnels et techniciens. Donc, vous voyez qu'il y a eu près de 46 000 emplois créés dans cette décennie-là, mais on a un taux de syndicalisation qui est très faible chez les professionnels, uniquement 7,6 %. Donc, ce sera probablement une réflexion parce que
Le syndicalisme professionnel, c'est un syndicalisme et c'est un type de syndicalisme qui est typique. Parce que cette catégorie de travailleurs-là a quand même des caractéristiques qui leur sont propres, mais on a très peu investi dans ces secteurs-là dans les dernières années. Donc, nos requêtes en accréditation, la première bonne nouvelle, c'est que dans plus de 7 cas sur 10, donc 70 % des requêtes en accréditation ont été déposées en champ libre. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est allé, on entend souvent que les syndicats font juste se marauder entre eux. Bien, les données qui sont sorties de cette analyse-là, c'est que non. Hein? Dans 7 cas sur 10, on a déposé des requêtes en accréditation dans un champ libre. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et la seule exception, c'est en 2016, et c'était la fameuse année du grand maraudage dans le secteur de la santé et des services sociaux. C'est la seule exception qu'il y a eu là, au niveau du taux de dépôt en champ libre. 83 % des requêtes ont été déposées dans le secteur des services, donc services surtout traditionnels, et c'est pas surprenant parce que c'est 80 % de l'emploi 80 % de l'emploi en 2019. Et ce qu'on observe surtout, c'est qu'on a vu qu'il y a eu surtout le plus grand nombre de requêtes en accréditation, donc 21 % des requêtes en accréditation en champ libre, a été déposé dans des secteurs où on avait déjà une forte présence syndicale. Donc, on a investi nos efforts dans des secteurs qu'on connaît déjà, fabrication, services administratifs, services de soutien, gestion des déchets, assainissement, et dans le secteur du commerce, qui était, oui, plus faiblement syndiqué, mais comme je vous disais, il y a un statement de la part des organisations syndicales d'aller dans ces secteurs-là où les travailleurs sont ultra précaires. Très peu de requêtes en accréditation ont visé les professionnels du secteur privé, et c'est là, finalement, qu'il va se créer le plus d'emplois dans les prochaines années. Donc, il y a quand même une réflexion à aller creuser pour savoir comment intéresser des travailleurs professionnels qui ont peu ou pas de modèle dans les organisations syndicales. Quand je parle des professionnels du secteur privé, les professionnels dans le secteur public qui sont syndiqués, il n'y a pas de problème. Dans le secteur privé, on a moins de modèles. Donc, comment on va faire pour aller chercher ces travailleurs-là qui connaissent une grande croissance? Donc, ça fait le tour des efforts de syndicalisation qui ont été faits dans les dernières années. Il y a quand même des bonnes nouvelles, mais au final, on voit un déclin année après année. Donc, les États généraux, oui, sont nécessaires, sont plus nécessaires que jamais. Et il faut aussi questionner notre propre modèle d'organisation syndicale et surtout de représentation syndicale parce que il ne s'agit pas juste de vouloir organiser des gens puis les forcer à rentrer dans un moule qui peut-être leur convient pas. Hein, si on n'est pas capable d'attirer des travailleurs, c'est peut-être que notre modèle ou notre moule, ben, il faut le changer. Donc, d'où l'importance stratégique de ces états généraux. Dans nos recherches, on a fait quand même l'inventaire des différents types d'obstacles qui existent pour expliquer pourquoi les gens veulent pas se syndiquer. Il y a trois pistes différentes. Une qui se rapporte davantage aux intérêts et aux caractéristiques des travailleurs eux-mêmes. Une deuxième qui a plus rapport avec l'environnement institutionnel, notre contexte législatif, les pratiques, l'acteur patronal, etc. Et une troisième qui interpelle directement les pratiques syndicales. Donc, est-ce qu'on fait les choses bien? Est-ce qu'on pourrait faire les choses mieux? Donc, il faut questionner nos propres pratiques, notre propre moule et le modèle de représentation qu'on offre pour essayer d'attirer davantage les travailleurs. Donc, sans trop m'attarder sur les obstacles, parce que probablement que vous les connaissez, mais une des premières causes au Québec, c'est l'augmentation de la scolarisation des travailleurs. Donc, on fait face à des travailleurs de plus en plus scolarisés, des travailleurs qui se sentent protégés aussi. Hein? Il y a une panoplie de lois qui existent et on sent que ces lois-là nous protègent ou protègent nos droits. Et on sent que nos compétences et notre niveau de scolarité nous permet de mieux tirer notre épingle du jeu et nous fait croire qu'on a moins besoin de l'acteur syndical ou de l'action collective pour défendre nos droits. Donc, ceux et celles qui évoluent dans des milieux professionnels, vous devez avoir beaucoup de personnes autour de vous qui se négocient des petites ententes individuelles on the side avec leurs gestionnaires parce que c'est pratique courant dans les milieux professionnels. On a tous l'impression que nos compétences nous distinguent dans le milieu de travail et on essaie de se distinguer par nos conditions de travail. Et vous allez voir qu'avec l'effet de la pénurie de main-d'œuvre, ces ententes individuelles-là ont tendance à augmenter beaucoup dans les milieux de travail.
Image négative du syndicat, ben vous en avez sans doute entendu parler. Les attaques sont fréquentes contre les organisations syndicales. On véhicule à tort que les organisations syndicales, ce sont des organisations qui participent pas au progrès, qui sont souvent la cause des problèmes. Mais faut pas se voiler la face, hein, parce que dans les modèles et les sondages qu'on mène auprès des travailleurs non syndiqués, quand on essaie de faire l'inventaire des causes qui empêchent leur volonté de se syndiquer, donc qu'est-ce qui explique qu'ils souhaitent pas se syndiquer, ces gens-là? Bien, 40 % de notre modèle, là, outre l'insatisfaction par rapport aux conditions de travail, outre l'arbitraire patronal, outre toutes ces conditions-là, bien, c'est souvent l'image du syndicat. Donc, on ne veut pas se syndiquer parce que pour nous, les syndicats ont une image négative. On pense que les chefs syndicaux sont là pour répondre davantage à leurs intérêts plutôt qu'à l'intérêt des travailleurs. Donc, ce sont des constats très forts qui ressortent des sondages qu'on a menés auprès des non-syndiqués. Et curieusement, ceux qui ont déjà été syndiqués dans ceux qu'on avait sondés avaient une image encore plus négative des organisations syndicales que les autres. Donc, ce n'est pas un constat bénin. Je pense qu'il faut quand même l'adresser, cette question-là de l'image des organisations syndicales au Québec. Ceux qui sont les plus âgés dans la salle, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait à l'époque au Québec des sondages de personnalité à la fin de chacune des années. Puis, nos leaders syndicaux, pendant longtemps, ont figuré dans ce palmarès-là des personnes influentes au Québec. Puis, à l'heure actuelle, ils ne sont plus là pantoute. Donc, on a complètement une nouvelle philosophie et on vient de sortir un sondage. Malheureusement, je n'avais pas les résultats complets pour pouvoir vous les présenter. Mais l'image syndicale ne s'est pas améliorée dans le dernier sondage. On vient de sonder 2200 non-syndiqués au Québec. Et c'est encore un constat très fort qui sort sur l'image négative des organisations syndicales et une perte de mobilisation sur les affaires politiques, sociales et syndicales. Donc, les gens... Ce n'est plus une sphère de leur vie dans laquelle ils veulent investir. Donc, il y a du travail à faire, il y a du boulot à faire du côté des organisations syndicales. Autre phénomène, surtout dans les équipes de travail, dans plusieurs secteurs, on voit ça, on travaille de plus en plus en équipe, on voit une adhésion plus forte aux normes managériales. C'est-à-dire que on croit davantage au discours du boss qu'au discours du syndicat. Puis quand on a quelqu'un à blâmer, bien, c'est souvent le syndicat et c'est pas l'employeur. Donc, on a une adhésion beaucoup plus forte à ces normes managériales-là parce qu'on travaille beaucoup plus en équipe qu'avant dans les milieux de travail. Et c'est difficile d'avoir une opposition aussi campée que dans les années 70 et 80 contre l'employeur parce que souvent l'employeur fait partie de l'équipe aussi, du moins son représentant ou le contremaître, etc. Donc, il y a cette adhésion plus forte-là, cette culture-là de l'entreprise qui est davantage partagée par les travailleurs. Donc, il faut penser autrement l'action syndicale que de penser à l'opposition directe ou traditionnelle qu'on avait entre les travailleurs contre l'employeur. Donc, c'est un discours qui aurait moins d'influence maintenant dans les milieux de travail. Une adhésion plus utilitaire, ça, c'est un problème aussi qu'on constate beaucoup dans les dernières années. Donc, les travailleurs vont être membre d'un syndicat, souvent pas par choix parce que le milieu est déjà syndiqué, mais quand tu leur demandes s'ils adhèrent au panier de valeurs traditionnelles syndicales, ben on voit qu'il y a une perte de ces valeurs-là syndicales qui sont propagées et on adhère davantage à une organisation syndicale comme à une compagnie d'assurance, pour le dire simplement. On s'attend à recevoir des services de notre organisation syndicale, mais on n'est pas dans une organisation dans laquelle on veut s'impliquer, dans laquelle on veut réellement faire une différence. Et plus particulièrement pour les travailleurs qui sont professionnels, les enquêtes qui ont été réalisées à l'échelle internationale montrent que pour cette catégorie spécifique-là de travailleurs, les syndicats sont jugés comme des organisations qui ne les concernent pas parce que c'est des organisations qui sont conflictuelles, puis c'est une affaire de col bleu. Hein. Il y a des chercheurs qui l'ont dit comme ça là, dans les focus groups qui menaient auprès de travailleurs professionnels. Les syndicats, c'était quelque chose pour la classe ouvrière, puis les professionnels ne se sentent pas comme partie intégrante de la classe ouvrière. Donc, il y a tout ce socle-là sur lequel on a bâti le syndicalisme, ce discours-là de la classe ouvrière qui ne fonctionne plus et surtout pas pour les travailleurs professionnels. Il y a aussi
une autre catégorie d'obstacles qui sont les obstacles de nature institutionnelle. Dans les dernières années, nous, on a fait la recension de tous les cas entendus par les commissions de relations de travail dans 5 provinces canadiennes. J'ai fait ces travaux-là avec Marie-Ève Bernier. Et on essayait de voir comment, finalement, est-ce que les employeurs canadiens utilisaient ou avaient aussi recours à des stratégies antisyndicales, parce que on n'a pas couvert ce sujet-là beaucoup au Québec et au Canada, parce que on avait tendance à dire que le union busting, c'est américain comme phénomène, puis nos employeurs canadiens, eux, acceptent beaucoup plus le fait syndical, et qu'une fois que les milieux étaient syndiqués, les employeurs canadiens avaient moins tendance à recourir à des stratégies antisyndicales. Donc, on a fait l'analyse de ces décisions-là rendues de 2002 à l'aube de 2020. On a essayé de voir comment se comportaient les employeurs au Canada. Et encore une fois, le Québec se distingue, mais je vous dirais qu'il ne se distingue pas de la bonne façon sur les stratégies antisyndicales. Si dans les autres provinces où on n'a pas le card checking, donc l'adhésion, en français, Marie-Hélène, c'est l'adhésion par signature de carte. Donc, si dans les autres provinces, on a tendance à voir que les employeurs vont déployer beaucoup plus de stratégies antisyndicales au moment de l'accréditation, bien, au Québec, les employeurs sont juste plus patients, en fait. Donc, ils n'utilisent pas les stratégies antisyndicales au moment de l'accréditation parce que c'est mieux encadré au plan législatif. Par contre, il y a beaucoup plus de stratégies antisyndicales utilisées par les employeurs, même pas à la première convention collective, mais souvent lors des renouvellements de conventions collectives. Et dans le secteur public, on était une des provinces où il y avait plus de cas de stratégies antisyndicales, alors qu'on pourrait s'attendre que l'employeur, qui est l'État, devrait à tout le moins respecter les lois qu'il doit faire appliquer en principe. Donc, on se distinguait en matière d'antisyndicalisme, mais certainement pas de la bonne façon pour le Québec. Et il y a toute la question des limites du cadre législatif aussi qui existe. Je vous parlais de la multiplication des statuts d'emploi qui sont atypiques. Il y a beaucoup le travail à la demande à l'heure actuelle qui est en train de se développer. Et pour moi, je ne suis pas l'experte de la gig économie, je me contente d'observer ce qui se passe dans ces secteurs-là, mais comme observatrice externe, je ne peux pas faire autrement que d'y voir un retour en arrière, mais un retour aux années 20. Hein, du travail à la demande, c'est la forme pour moi la plus précaire de travail qui existe, mais dans un discours qui est vraiment édulcoré, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire accroire à ces travailleurs-là parce qu'ils se retrouvent dans le domaine de la culture, parce qu'ils se retrouvent dans des secteurs de pointe, que c'est pour eux qu'on crée ce genre de système-là, pour leur offrir toute la flexibilité que eux désirent, alors qu'on est revenu à des formes les plus précaires de travail qui n'ont jamais existé dans les dernières années. C'est-à-dire que le matin, tu ne sais pas nécessairement s'il y aura du travail pour toi, tu ne sais pas nécessairement s'il y aura du travail en quantité suffisante au cours de la semaine. Donc, pour moi, là, on revient à des formes ultra précaires de travail sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour protéger et encadrer ces formes de travail précaires, là. Il y a une décision qui a été rendue en Ontario il n'y a pas longtemps là, sur ces travailleurs-là, puis on a créé un statut hybride qui offre certaines protections sociales aux travailleurs à la demande, mais au Québec, encore, on n'a pas ces protections-là. Autre phénomène, c'est toutes les définitions. Hein. Notre modèle de syndicalisme, c'est un modèle qui date d'une autre époque, hein, où on a créé un travailleur très typique dans une entreprise très typique. Donc, ce cadre législatif-là est nécessairement plus à date, hein, il est désuet, ce qui fait qu'on a plusieurs obstacles pour organiser ces nouveaux travailleurs-là dans les industries. Donc, il va falloir réfléchir. Je sais que les organisations syndicales, vous ne voulez pas ouvrir le code du travail parce que vous ne savez pas de quelle barre ça va tourner, puis vous n'êtes pas certain que les modifications législatives vont être à votre avantage. Je le comprends et ce discours-là, il est tout à fait compréhensif, mais je pense qu'il faut faire l'effort d'aller voir dans le monde comment on a multiplié les efforts pour aller chercher des protections législatives supplémentaires pour ces travailleurs-là qu'on n'est pas capable de faire rentrer dans notre fameuse case salariée ici au Québec typique.
qui donne accès à un nombre incroyable de protections. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de notre modèle et il faut aller trouver ces statuts hybrides-là puis créer des nouveaux statuts avec des nouvelles protections sociales. Donc, du moins, se questionner sur comment on va pouvoir challenger ce modèle législatif-là. Puis finalement, les pratiques syndicales. Qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait pas bien? Dans les dernières années, on a travaillé beaucoup avec les jeunes travailleurs. J'ai fait beaucoup d'enquêtes aussi sur syndicalisme et femmes pour voir comment on arrivait finalement à intégrer ces groupes marginalisés-là dans nos organisations syndicales, les jeunes, les femmes. Il y a une de mes étudiantes qui est en train de travailler aussi sur les pratiques syndicales en matière de discrimination raciale. Donc, comment on est capable d'intégrer nos groupes plus marginalisés au sein des organisations syndicales? Est-ce qu'on leur offre une voix au chapitre? Donc, si je regarde les résultats des enquêtes sur les jeunes que j'ai menées avec Mélanie Dufour-Poirier, clairement, ce qui ressortait, c'était que les organisations syndicales étaient très peu représentatives des intérêts des jeunes travailleurs. Et ce qui ressortait toujours, c'était toute la question des disparités de traitement. Donc, pour les jeunes travailleurs, les syndicats les ont carrément laissés tomber parce qu'ils ont décidé de protéger une certaine catégorie de travailleurs, les permanents, ceux du marché du travail primaire, et ils ont laissé plein de marge de flexibilité à l'employeur, et ça a fini par créer des disparités de traitement, un moins bon traitement pour les jeunes travailleurs, et c'était le reproche principal que les jeunes ont adressé aux organisations syndicales. De la même façon, chez les femmes, quand on les a interrogées, elles ne se retrouvent pas dans le monde syndical. Elles jugent que les priorités syndicales ne représentent certainement pas des enjeux féminins, même si on parle de conciliation travail-famille. On a encore cette impression-là que les organisations syndicales, c'est des organisations d'hommes pour les hommes et que les enjeux féminins sont très rarement adressés, même si les femmes ont réussi à s'insérer dans différents comités, dans la structure décisionnelle. On a eu aussi ces propos-là qui ont été tenus par les femmes qu'on a rencontrées sur le terrain. Autre facteur majeur dont il a été question dans tous les entretiens qu'on a faits, que ce soit auprès des femmes ou auprès des jeunes, c'est qu'on a eu cette stratégie-là dans les organisations syndicales. On a voulu représenter tout le monde, donc on a créé des comités aviseurs. Hein, vous avez le comité femmes, le comité jeunes, le comité environnement, le comité LGBTQ2+. Puis là, on a l'impression qu'on a fait notre job comme organisation syndicale parce qu'on a tous ces comités-là et ils ont une chance d'aller exprimer leurs enjeux au sein de ces instances-là. Mais ces instances-là, ça demeure des instances ou des comités aviseurs. Et on se rend compte que les idées qui sont débattues dans ces différents comités-là, bien, ils ne percent pas nécessairement toujours la structure décisionnelle des organisations syndicales. Donc, on met beaucoup de ressources pour maintenir ces comités-là en vie, mais on ne va surtout pas exploiter au maximum toute la richesse du débat et toute la richesse de la réflexion qui est faite au sein de ces comités-là. Et ça, je pense qu'il y a quand même des efforts à faire pour réellement donner une voix aux différents groupes qui sont au sein de nos organisations syndicales. Vous allez le voir à la fin, mais je vous le dis tout de suite, une des premières choses à se questionner, c'est est-ce qu'on est représentatif de notre diversité, de notre membership? Est-ce qu'on a fait cet effort-là d'avoir cette représentativité fine-là du membership? Puis, je la connais déjà, la réponse, puis la réponse, c'est la même dans toutes les organisations syndicales à l'heure actuelle. La réponse, c'est malheureusement non. Malheureusement non, parce que notre modèle n'est pas inclusif. Notre modèle ne permet pas à tout le monde de s'impliquer activement dans les organisations syndicales. Et quand j'ai questionné les femmes pour savoir pourquoi elles ne prenaient pas de poste décisionnel, c'est pas parce que Roger, Gaétan, Marcel, Benoît ou Éric sont meilleurs qu'elles dans leur tête. C'est parce que partir une semaine en congrès quand tu as deux jeunes enfants, c'est juste pas possible. Puis le soir de la semaine, aller dans des réunions syndicales, c'est aussi difficile. Donc, il faut nécessairement adresser nos pratiques syndicales et se dire que peut-être notre modèle, même si on pense donner la voix à tout le monde, même si on pense qu'on est démocratique, peut-être que la façon dont on organise nos actions syndicales et nos activités syndicales, mais peut-être que ça met des limites à certains membres pour participer. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le cadre de la pandémie, mais peut-être que les réunions
en web ou en distanciel, mais peut-être que vous avez vu soudainement des nouveaux membres s'intéresser aux affaires syndicales ou assister aux affaires syndicales. Le taux de participation, en tout cas dans certains milieux, a augmenté dans le temps de la pandémie parce qu'on tenait ces réunions-là de façon distancielle. Donc, il y a certainement une réflexion à avoir sur nos pratiques et les façons dont on mène notre action syndicale. Pour les professionnels, ce qui était très drôle dans les recherches qui ont été menées sur ces travailleurs-là, il y avait tout un volet où les professionnels se sentent moins concernés par l'action syndicale parce que le discours syndical et l'avantage syndical qui est souvent présenté tourne autour des salaires et des avantages sociaux. Donc, on est capable comme organisation syndicale de dire, bien, voici l'avantage d'être syndiqué, voici le taux de salaire est plus élevé, les avantages sociaux, etc. Mais pour les professionnels, ça leur parle très peu. Hein? Ce qui concerne d'abord ces travailleurs-là, c'est toute la question des valeurs plus intrinsèques liées au travail, donc la charge de travail, l'autonomie professionnelle, le quotidien, la réalisation, les conditions de réalisation de la tâche. Et ça, c'est pas souvent dans le discours syndical. Donc, il y avait un travail à faire de redéfinition de l'avantage syndical pour les travailleurs professionnels pour qu'ils se sentent réellement interpellés par l'action syndicale. Et bien évidemment, là, tout le discours de confrères, consœurs, camarades, solidarité, grève traditionnelle, etc., pour les nouvelles générations et pour les travailleurs professionnels, ça parle beaucoup moins. Donc, ils s'attendent à avoir un vocabulaire qui est différent. Puis, si vous regardez un peu dans toutes les organisations syndicales qui ont poussé là, les centrales, pas les centrales, mais les regroupements autonomes, bien, vous allez voir qu'ils s'appellent souvent instituts ou associations, etc. Donc, on s'éloigne un peu du vocabulaire traditionnel des organisations syndicales pour essayer de mieux représenter les intérêts et les valeurs de ces groupes-là. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on devra faire pour interpeller davantage les membres? Bien, évidemment, je vais en parler davantage dans la dernière partie de la présentation, mais il faut absolument adresser la question de la décroissance de la présence syndicale, je pense. Le fameux 23 % dans le secteur privé, pour moi, m'interpelle énormément et je pense que c'est l'enjeu majeur des organisations syndicales, cette question-là du secteur privé, puis comment on peut faire pour arrêter cette hémorragie-là dans le secteur privé. Toute la question de la multiplication des statuts d'emploi, l'exclusion aussi des protections offertes par les lois du travail à un nombre grandissant de travailleurs au Québec. S'il y a de moins en moins de gens qui ont le statut de salarié, comment on va pouvoir faire pour les organiser? Donc, il va falloir être créatif pour justement créer ces statuts hybrides-là qui ont commencé à pointer un peu à l'international dans plusieurs pays. L'Allemagne a un statut hybride, l'Espagne aussi a créé un statut hybride. Il y a des initiatives à Bruxelles en ce moment, on est en train de l'étudier, ça s'appelle le modèle SMART. Bien, c'est des coopératives de travailleurs pigistes, de travailleurs indépendants qui se réunissent au sein d'une coopérative et c'est la coopérative qui devient l'employeur. Et parce qu'ils ont un employeur typique, bien là, ils peuvent avoir accès à des protections sociales qu'ils n'auraient pas à titre de travailleurs indépendants. Donc, il faut contourner les lois qui sont en place pour essayer de donner accès à un plus grand nombre de gens à des protections législatives et sociales. Donc, ça, c'était pour la syndicalisation. Maintenant, j'ai envie de vous emmener sur le terrain des relations de travail. Est-ce que notre système va bien? Est-ce que notre système nous permet, comme organisation syndicale, de tirer notre épingle du jeu? Je vous dirais que dans les dernières années, il y a eu des changements majeurs là, en matière de relations de travail. Le système va relativement bien, mais on voit que les employeurs avaient réussi, dans les dernières années, à beaucoup mieux tirer leur épingle du jeu que les organisations syndicales, notamment parce qu'ils ont réussi à introduire dans les conventions collectives beaucoup plus de flexibilité fonctionnelle, organisationnelle. Donc, ils avaient réussi à faire des percées dans les dernières années. Puis là, je me bémole parce que pour la première fois depuis le début de mes études en relations industrielles, c'est la première fois en 2022 où je dis « mais tout ça pourrait changer parce que le contexte est favorable à l'heure actuelle ».
on est en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, tout ce que je vais vous présenter qui est un peu sombre, pour moi, ça peut être appelé à changer et la tendance peut être inversée parce que à l'heure actuelle, il y a une fenêtre d'opportunité au Québec qui est là, qui ne sera pas là longtemps. Et il va falloir utiliser cette fenêtre d'opportunité-là de façon vraiment stratégique du côté des organisations syndicales. Bref, si je n'ai pas le temps de me rendre là, je vous le dis tout de suite, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et ne vous contentez pas de simplement augmenter les salaires. Étudiez vos conventions collectives, améliorez le sort des atypiques, débarrassez-vous de vos disparités de traitement dans vos conventions collectives pour ressortir de cette fenêtre d'opportunité-là et de laisser moins d'exclus dans vos organisations syndicales pour pouvoir mener un combat plus fort et à la suite de cette fenêtre d'opportunité-là. Donc, je le dis tout de suite parce que peut-être que je n'aurai pas le temps à la fin, donc au moins il va être dit. Donc, en matière de relations de travail, qu'est-ce qui se passe au Québec? Bien, première tendance que vous voyez, ça, c'est le nombre de conflits de travail. Donc, vous voyez la baisse historique du nombre de conflits de travail qui était observé année après année. Donc, vous avez un pic à près de 400 conflits dans les années 70, à un plancher historique au cours de la crise financière des années 2008. Donc, vous avez ce creux historique-là, une petite résurgence dans les années récentes, et vous allez avoir probablement en 2022 une autre poussée de conflits parce que je vous en parlais, il y a une fenêtre d'opportunité à l'heure actuelle et on voit qu'il y a beaucoup de conflits de travail. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de conseillers dans la salle, mais probablement qu'ils connaissent ou qu'ils commencent à connaître des refus d'entente de principe parce que les attentes des salariés sont très, très, très élevées à l'heure actuelle. Donc, on a cette tendance-là à une certaine résurgence des conflits de travail au Québec. Autre tendance lourde, si on exclut 2019-2020, qui sont peu représentatives parce que je vous disais, c'est des années de pandémie, mais on avait une tendance à vraiment l'allongement de la durée des conflits de travail. Donc, c'est passé de 38 jours en moyenne en 79-88 à près de 60 jours de conflits en 2009-2018. Donc, ça indique qu'il y a une complexification des enjeux dans le cadre de la négociation parce que les conflits sont beaucoup plus longs qu'avant. Donc, on est vraiment au cœur des priorités stratégiques des parties. Donc, on a moins de conflits, certainement, mais les conflits durent beaucoup plus longtemps. Et là, pour les organisations syndicales, ça appelle à toute cette réflexion-là autour de la résistance en cas de conflit. Donc, comment on s'organise pour pouvoir résister? Parce que des deux côtés, et du côté patronal et du côté syndical, bien, on est prêt à aller en conflit beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc, il faut y penser quand on déclenche un conflit. Autre tendance, c'est la fameuse part des lock-outs parmi les arrêts de travail. Donc, vous voyez, c'est quand même assez stable au cours des années. Hein? On a eu une légère augmentation de la part des lock-outs là, autour de la crise financière 2008-2012. On est monté à près de 30 %. Mais sinon, c'est assez stable dans le temps. Les employeurs démontrent quand même une certaine affirmation. Ils s'affirment et ils ne veulent pas subir le conflit. Ils veulent plutôt imposer ce conflit-là, diriger les termes du conflit, décider quand est-ce que ça allait débrayer, etc. Donc, il y a cette volonté-là. Et je vous dirais que de façon générale, en relation de travail, les employeurs sont beaucoup plus proactifs et plus stratégiques qu'avant. Donc, il faut leur donner ça. Ils s'encadrent maintenant d'experts en relation de travail. Donc, tu sais, quand on a fait une enquête auprès de négociateurs, on a rencontré une soixantaine de négociateurs au Québec pour voir qu'est-ce qui avait le plus changé dans leur métier de négociateur. Puis, les négociateurs syndicaux, ce qu'ils nous disaient, c'était vraiment la préparation patronale et l'attitude patronale aux tables de négociation. Avant, les employeurs se contentaient de répondre aux demandes syndicales. Maintenant, ils ont leur propre agenda, ils ont leur propre stratégie en négociation collective et ils sont beaucoup plus agressifs dans le cadre des négociations collectives. Donc, ça, c'est un autre fait que les organisations syndicales doivent avoir en tête quand ils s'en vont en négociation, parce que c'est pas vrai que les employeurs ne sont pas bien préparés. Processus de négo, contrairement à ce qu'on entend, parce que quand on écoute les nouvelles, c'est parce que ça va pas bien, puis on a l'impression que les syndicats sont impliqués dans de nombreux conflits. Mais là, vous avez toute l'évolution historique des étapes à laquelle on en arrive à une entente entre les parties. Et vous voyez que jusqu'en 2013,
De 95 à 97 des cas, les parties réussissaient à s'entendre soit par la négociation directe, soit par la conciliation. Donc, très peu recours au conflit pour régler les ententes collectives. Cette efficacité-là de notre système a un peu diminué dans la dernière période. Donc, on est passé de 82,5 à 72 pour les règlements en négociation directe. Puis, vous voyez qu'il y a une légère diminution aussi du recours à la conciliation. Et ça, en soi, c'est pas problématique si on réussit davantage à s'entendre par le biais de la négo. Par contre, moins de conciliation, ça devient problématique quand on règle finalement par le conflit. Et c'est exactement ce qui se passe dans la dernière période de 2014 à 2018. Vous voyez qu'il y a 15,7 des ententes qui ont été conclues en ayant recours à un conflit de travail. Donc ça, c'est un signe que notre système permet moins ce dialogue-là que dans les époques, les décennies précédentes. Maintenant, le contenu de la convention collective. Je ne passerai pas au travers de toutes ces stats-là. Je pourrais vous envoyer le document, mais il y a deux grandes tendances qu'il faut retenir en matière d'évolution de la convention collective. La première grande tendance, c'est la normalisation du contenu de la convention collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Québec, on a amélioré le contenu des lois minimales. On a eu des réformes pour la conciliation travail-famille, on a eu des réformes qui ont introduit le congé parental, etc. Et nos conventions collectives ont dû s'adapter à ce contenu-là des lois minimales. Par contre, ce que vous avez sur ce tableau-là, c'est la présence de clauses dans la convention collective. Et là, ça ne veut pas dire que dans 86,1 des cas, les femmes qui sont en congé de maternité sont rémunérées au-delà du salaire prévu au régime québécois d'assurance parentale. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Bien souvent, notre convention collective va faire une référence au traitement versé dans le cadre du RQAP ou à la durée du congé prévu par la loi. Ça ne veut pas dire que nos conventions collectives présentent un contenu qui est plus bénéfique pour la femme ou pour le parent en congé que ce qui est prévu à la loi. Donc, c'est ça l'effet de normalisation. Donc, vous le voyez sur les congés parentaux, vous le voyez sur la conciliation travail-famille, vous le voyez aussi en matière de formation avec la loi sur la formation professionnelle. Donc, ça, c'est une première grande tendance. Il y a eu cet effet de normalisation-là, mais ce n'est pas sans lien avec des gains syndicaux, parce que souvent, on a tendance à voir nos syndicats comme uniquement responsables de négocier nos conventions collectives, mais s'il y a des améliorations aux lois et aux protections sociales, bien, c'est à cause des syndicats qui ont mené des batailles dans la sphère publique et qui ont investi des ressources en matière d'action politique. Fait que si vous avez des membres qui se demandent pourquoi puis pour que c'est faire que vos élus ou vos dirigeants se présentent en commission parlementaire, font autant de lobby puis investissent autant de ressources pour essayer d'influencer les décideurs, bien, c'est exactement pour ça. Parce que souvent, on n'a pas cette capacité-là de négocier à la pièce certaines dispositions. Par contre, on peut aller élever le niveau des protections sociales qui va bénéficier à l'ensemble des travailleurs. Et cette action politique-là des syndicats est tout aussi bénéfique. Autre grande tendance maintenant, c'est la capacité patronale à avoir introduit de la flexibilité dans les conventions collectives. Ça, c'est la deuxième grande tendance. Et là, vous voyez les stats sur l'importance, par exemple, de l'ancienneté dans les conventions collectives qui a connu un net recul dans les dernières années. En fait, là, si vous prenez la ligne là, qui touche les promotions, ancienneté qui était le seul critère considéré, en 88, on était à 15,5 des conventions collectives qui octroyaient des promotions en fonction uniquement de l'ancienneté. Et en 2018, on est à 2,2 des conventions collectives uniquement. Donc, c'est un recul. C'est un recul qui est significatif. Et au contraire, les conventions collectives où on ne considère pas du tout l'ancienneté, c'est même pas à compétence équivalente
l'ancienneté va prévaloir. Donc, on ne considère pas du tout l'ancienneté, mais on est passé de 8,9 à 12,7. Donc, ça, c'est un exemple de la capacité de l'employeur à avoir introduit cette fameuse flexibilité-là. Et on pourrait parler de la sécurité d'emploi qui a diminué dans toutes les conventions collectives aussi. On pourrait parler de différentes autres tendances qui viennent appuyer cette thèse-là que les employeurs ont réussi à aller se rechercher une marge de flexibilité. Donc, tu sais, le fameux discours ambiant des employeurs que ici au Québec, les conventions collectives sont trop rigides, puis on peut pas rien faire, puis on peut pas être innovant, puis on peut pas se démarquer à l'échelle internationale, bien, je les invite à aller étudier une convention collective de la CGT en France, puis après ça, on pourra se reparler parce que nos conventions collectives se sont adaptées clairement au cours des 30 dernières années. Malheureusement pour vous, elles se sont adaptées, mais souvent davantage en lien avec les intérêts patronaux, mais il y a un contexte de pénurie de main-d'œuvre et tout ça pourrait être revisé. Voilà. Les points en litige, je ne m'attarde pas longtemps sur ce point non plus, mais vous voyez que, année après année, les salaires, ça occupe encore la première place des points en litige dans les conflits de travail au Québec. Puis là, vous voyez que dans la période la plus récente, le 2016-2020, bien, on est rendu à près de 68 % des conflits qui traitent de salaire. Et l'année prochaine, je pense que ça va être encore plus grand, cette proportion-là, parce que à l'heure actuelle, les conflits, c'est beaucoup autour du salaire et du rattrapage salarial que ça tourne. Par contre, vous voyez quand même s'il y a eu un léger recul, que toute la question des horaires de travail est quand même assez importante dans les conflits. Donc, c'est tout le discours en lien avec la conciliation emploi-famille qui est concerné par cet enjeu en litige-là. Donc, vous voyez que c'est quand même un point qui est encore qui anime les conflits de travail à l'heure actuelle. Et le dernier, retraite et assurance, bien, définitivement, pendant plusieurs années, les employeurs ont voulu réduire les coûts qui sont liés à la retraite et qui sont liés aussi aux protections des avantages sociaux. Et là, on est dans une ère où il y a une fenêtre d'opportunité. Puis d'ailleurs, il y a un syndicat à la FTQ, je ne croyais pas que ça pouvait être possible, mais ils ont réussi à renverser une disparité de traitement sur un régime de retraite. Donc, ils ont réintroduit un régime de retraite à prestations déterminées. C'est les métallos qui ont réussi ça dernièrement. Donc là, vous voyez que le contexte favorable peut nous emmener à aller rechercher des concessions anciennes puis on pensait pas qu'il serait possible à renverser. Et pourtant, ils ont réussi à le faire chez ArcelorMittal. Donc, pour moi, ça, c'est un gain non seulement significatif, mais c'est certainement un exemple à suivre parce que c'est un groupe où le membership était divisé parce que on avait une classe de travailleurs qui était à cotisation déterminée, une autre classe de travailleurs qui était à prestation déterminée, et on s'est servi du contexte favorable pour remettre tout le monde à la même page puis réunir ces gens-là. Et je pense que la cohésion et la solidarité au sein de ce groupe-là va être facilitée dans les prochaines années parce qu'on a réussi à renverser cette clause historique-là. Salaire et inflation. Est-ce qu'on a réussi à s'enrichir dans les dernières années? La réponse, c'est oui, mais du côté syndiqué, moins que du côté non syndiqué. Donc, ça, c'est la réponse que je peux vous donner. Donc, vous avez sur le graphique la croissance nominale, donc les augmentations de salaire qu'on a réellement reçues, versus la croissance réelle, c'est-à-dire une fois qu'on a considéré l'inflation et l'IPC. Donc, vous voyez que du côté syndiqué, on a réussi à aller chercher en 2001 et 2021 31,5 % d'augmentation de salaire versus 54,4 % du côté non syndiqué, ce qui correspond environ à 1,4 % par année du côté syndiqué versus 2,4 % en moyenne du côté non syndiqué. Par contre, le taux de salaire du côté syndiqué est encore plus grand que chez les non syndiqués. Donc, en moyenne, on a un taux horaire de 30 et 61 du côté des travailleurs syndiqués versus 26 et 59 du côté non syndiqué. Donc, on a encore un avantage d'environ 4 $ en termes de salaire horaire chez les syndiqués, mais au rythme où les augmentations de salaire se déroulent dans le secteur non syndiqué, puis je vais vous montrer l'acétate plus loin, il y a quand même lieu de s'inquiéter
à l'avantage syndical. Autre façon de le considérer, là, je vous ai mis, bien là, vous l'avez. Ça, c'est pas moi qui ai fait cette projection-là, c'est mon collègue Patrice Jalette avec qui je travaille depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, toutes les stats que je vous présente aujourd'hui, c'est avec lui que je les ai travaillées. Mais il s'est amusé à essayer de faire une projection dans les années futures en considérant le rythme auquel les augmentations de salaire se déroulent du côté syndiqué et non syndiqué. Puis là, vous voyez que les deux courbes se touchent pas dans 60 ans, mais dans 13 ans. Donc, si les augmentations de salaire continuent à ce rythme-là, c'est-à-dire qu'en 2035, l'avantage syndical en termes de salaire sera nul. Et donc, il faut se poser des questions sur comment on peut continuer à avoir cet avantage syndical-là. Est-ce que c'est juste du côté des salaires? Vous allez me dire non. Nous, du côté syndiqué, il faut faire des compromis parce qu'on a plus d'avantages sociaux, on a le régime de retraite à tenir compte, et vous avez raison. Mais au rythme où vont les choses, et là, je vous dirais, là, en 2020, par exemple, en moyenne, du côté syndiqué, on a donné 3,5 d'augmentation de salaire en 2020. Mais du côté non syndiqué, ils ont reçu 7,8 d'augmentation en 2020. Donc, il faut nécessairement tenir compte dans les années futures parce qu'à l'heure actuelle, le discours syndical puis l'avantage syndical, on le base uniquement sur cette question-là qui est salariale. Donc, il va falloir développer un autre discours puis il va falloir montrer notre avantage syndical d'une autre façon parce que dans le secteur non syndiqué, ben ils réussissent à tirer leur épingle du jeu aussi. Et là, je vous ai mis comme dernier graphique, c'est toutes les augmentations de salaire qu'on a réussi à aller chercher en dessous ou en dessus de l'inflation. Et juste pour vous indiquer, du côté des salariés syndiqués, donc on a réussi à aller, sur 15 années sur 21, on a réussi à aller chercher des augmentations de salaire qui surpassaient l'IPC, mais du côté non syndiqué, c'est 18 années sur 21 où ils ont réussi à avoir des augmentations de salaire au-dessus de l'IPC. Donc, ça explique pourquoi la croissance du pouvoir d'achat semble plus favorable du côté des non-syndiqués. Donc, ça interpelle les organisations syndicales, c'est sûr. Il y a une hausse de l'inflation, donc il va falloir nécessairement se questionner sur le maintien des pouvoirs d'achat, le maintien du pouvoir d'achat des salariés. Comment on va manœuvrer tout ça, comment on va introduire ça, cette question-là, dans nos conventions collectives. On avait jadis des clauses de vie chère dans nos conventions collectives. Ces clauses-là ont pratiquement disparu. Donc, comment on va, dans les prochaines années, réintroduire ces clauses-là? Est-ce qu'on va remettre des clauses d'indexation? Est-ce qu'on va négocier des montants forfaitaires? Est-ce qu'on va essayer de jouer dans les échelles salariales? Puis là, ça, c'est toute une question à se poser parce qu'on a passé des années à bâtir des structures salariales. Puis là, parce que l'employeur n'est pas capable d'attirer de la main-d'œuvre, il veut soudainement donner des bonus, intégrer des gens plus haut, faire sauter des échelons, etc. Donc, il faut faire attention à la cohérence interne de nos structures salariales aussi. Donc, nécessairement, que ça interpelle beaucoup les organisations syndicales et la question de la perte du pouvoir d'achat à l'heure actuelle va nécessairement être dans toutes les négociations collectives qui vont s'ouvrir. Puis, du côté patronal, bien, évidemment, ils veulent pas donner un chèque en blanc aux organisations syndicales. Puis, je penserais pas qu'ils vont réintroduire dans les conventions collectives des clauses d'indexation. Je pense pas qu'ils vont vous donner la vie aussi facile. Je pense que vous allez devoir prévoir d'autres mécanismes ponctuels pour répondre à cette tendance-là qui frappe le Québec. Autre caractéristique du système québécois, la durée des conventions collectives. Ça fait plusieurs années que c'est mon cheval de bataille, ça fait plusieurs années que j'en parle aux organisations syndicales parce que tout le monde veut mobiliser, tout le monde veut tenir le membership vivant, mais on négocie des conventions collectives de 5, 6 puis 7 ans. Alors que les moments où la vie syndicale est à son apogée, c'est quand? C'est pendant les périodes de négo. Alors, un conseil un peu bête, ce serait de vous dire, ben oui, mais négocier des conventions collectives de 3 ans, puis vous n'aurez pas de problème de mob, parce que vous allez toujours être en mobilisation. Mais c'est pas si simple que ça, Je le sais bien, les conventions collectives de longue durée, c'est souvent des demandes patronales, c'est des concessions qu'on a forcées chez les organisations syndicales. Par contre, ça a créé une dynamique de relations de travail dans les milieux. Puis là, les membres ont cette espèce d'impression-là
que parce qu'on signe une convention collective de 5 ans, il est correct pour le terme de son char qu'il a signé sur 5 ans, que l'entreprise ne fermera pas parce qu'on vient de signer une convention collective de 5 ans, alors que ça n'a aucune sécurité, une convention collective de 5 ans. L'autre réalité, c'est que l'employeur peut bien signer une convention collective 5, 6, 7, 8, 10 ans, s'il veut, il y aura toujours, lui, la possibilité de rouvrir. Parce qu'il va juste avoir à invoquer des difficultés financières, une perte potentielle d'emploi au niveau local, et il va forcer le syndicat à se réasseoir, il va rouvrir la convention collective et il va renégocier. Mais essayez-vous de signer une convention collective de 6 ans, de dire à l'employeur, vous avez fait des profits records cette année, c'était pas prévu au moment de la signature, on aimerait rouvrir la convention collective pour prévoir une meilleure redistribution de la richesse. Je pense pas que vous allez réussir. Donc, des conventions collectives de longue durée, pour l'employeur, c'est pas très contraignant dans la mesure où il peut réouvrir. Mais du côté syndical, vous vous privez de votre rapport de force pendant de nombreuses années. Et le seul moment dans notre système où on peut utiliser notre rapport de force, c'est durant les périodes de négociation. Donc, si vous signez une convention collective de 6 ans, bien, vous vous privez d'une shot pour améliorer vos conditions de travail. Et quand on dit qu'une convention collective, ça s'améliore par petits pas, hein, c'est de ronde de négo en ronde de négo, bien, plus vous privez de ces rondes de négo-là, bien, plus ce sont des occasions manquées d'améliorer vos conditions de travail. Et là, pourquoi je vous dis qu'on se distingue au Québec? Bien, vous avez la comparaison internationale ici. Nous, au Québec, on est autour de 50 mois à l'heure actuelle. Et là, vous avez les deux pays où les conventions collectives sont les plus longues, c'est le Portugal et le Canada. Et nous, au Québec, nos conventions collectives sont à peu près aussi longues, sinon plus, qu'au Canada. Donc, on peut dire que chez nous, on a les conventions collectives les plus longues au monde. Et là, il faut se questionner du côté syndical si ça nous sert réellement ou si ça nous dessert. Pardon? J'ai pas compris. Les lois, oui, dans le municipal, mais là, vraiment, vous pourrez m'interpeller à la période de questions sans problème. Je sais qu'il y a plein de situations qui peuvent expliquer pourquoi on a des conventions collectives de plus longue durée. Je pourrais vous parler du contexte dans lequel les conventions collectives de longue durée sont nées au Québec. Hein. On a créé la convention collective de longue durée dans un contexte qu'on appelait les fameux contrats sociaux au Québec. Hein. On signait une convention collective de 3 ans. On acceptait de renouveler cette convention collective-là pour 3 ans s'il y avait 7 conditions qui étaient réunies. Puis là, je m'en souviens d'une couple, ça remonte à loin, mais il y avait une clause d'indexation des salaires, une clause d'investissement, il y avait une clause de sécurité d'emploi pour la durée complète de la convention collective, il y avait des mécanismes pour gérer les conflits en cours de convention. Bref, il fallait remplir ces 7 conditions-là pour accepter une convention collective de plus de 3 ans. Et quand on a fait l'étude du contenu des conventions collectives de longue durée, ben ces conditions-là sont pas là du tout. Donc, c'est-à-dire qu'on a normalisé des conventions collectives de longue durée sans pour autant faire payer la contrepartie à l'employeur. Et là, la durée d'une convention collective, c'est pas une clause comme les autres. C'est pas une clause qu'on négocie en dernier, puis c'est pas juste un enjeu technique. C'est un enjeu stratégique, la durée des conventions collectives, justement pour être capable d'aller chercher des améliorations à nos conditions de travail. C'est le seul moment où on peut utiliser notre rapport de force. Et les conventions collectives de longue durée sont aussi associées à une participation à la vie syndicale qui est plus faible. Puis c'est normal parce qu'on espace ce moment-là où on va mettre tout le monde solidaire derrière des enjeux qu'on veut porter face à l'employeur. Donc, il faut se questionner sur les avantages que ces conventions collectives-là de longue durée nous apportent et dans quel contexte aussi qu'on a fait ces concessions-là parce que, évidemment, je connais pas un syndicat qui a concédé des conventions collectives de longue durée de gaieté de cœur. Évidemment que non. C'est une concession qui a dû être faite, mais peut-être que dans un contexte favorable, on pourrait raccourcir la durée des conventions collectives. Et de toute façon, à l'heure actuelle, on est dans un climat d'incertitude assez important dans les relations de travail. Puis en période de questions, j'aimerais ça que vous me fidiez sur la durée que les employeurs à l'heure actuelle demandent aux tables de négociation. Selon moi, elle devrait être de plus courte durée, mais vous pourrez me le dire si pour les employeurs, ça a changé leur stratégie en termes de durée aussi. Dernier élément, la pénurie de main-d'œuvre.
Tout le monde l'a entendu parler et c'est le point tournant majeur de l'histoire. Là. On est en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Là, vous avez le taux de chômage, puis vous voyez que par rapport aux années 80, la pandémie n'a pas été un élément catastrophique comme historiquement. Il y a plusieurs postes qui sont vacants à l'heure actuelle au Québec. Donc, c'est sur toutes les lèvres à l'heure actuelle, ce contexte de pénurie de main-d'œuvre-là. On cherche des gens, on a de la difficulté à trouver les gens, on réouvre des conventions collectives. Donc, on a une facilité du côté syndical à aller chercher des gains. Il y a des augmentations de salaire qui sont concédées à l'heure actuelle c'est du jamais vu. Donc, comment capitaliser sur cet effet-là de la pénurie de main-d'œuvre? Je vous disais que j'espérais me rendre là dans ma présentation, mais ce rapport de force-là, comme je vous disais, c'est une fenêtre d'opportunité qui ne sera peut-être pas là des années encore, mais c'est certainement un moment historique sur lequel il faut capitaliser. Et plutôt que de tout mettre dans les augmentations de salaire, je sais que c'est les attentes des membres. Je sais que les membres veulent du salaire. Vous n'avez pas besoin de me dire « je le sais ». Mais je pense que comme organisation syndicale, on est capable de faire de l'éducation, puis on est capable d'expliquer que, oui, il va y avoir des ressources, puis une partie de ces ressources-là vont être investies sur le rattrapage salarial, mais il y a quand même des catégories de travailleurs qui sont laissées pour compte, qui sont marginalisées dans nos milieux de travail, et c'est le moment rêvé pour se débarrasser de ces disparités de traitement-là. Vous avez des occasionnels, vous avez des gens qui sont sur des statuts atypiques, vous avez des gens qui n'ont pas de sécurité d'emploi. Je pense que c'est le temps rêvé pour réintégrer le plus de monde possible dans le fameux marché du travail primaire pour que les conditions de tout le monde soient au moins similaires dans un même lieu de travail. Et ça, bien, ce ne sera pas les membres qui vont vous le demander. Hein? Ça va être vous, comme organisation syndicale, qui allez devoir faire preuve de leadership, donner la voix à ces marginalisés-là, puis faire en sorte que leurs intérêts soient bien servis dans ce contexte de pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc, je voulais vous parler d'inégalité, de disparité de traitement d'hommes-femmes, mais je vais tout de suite aller à la troisième partie de la présentation sur quoi faire comme organisation syndicale et comment préparer le monde du travail de demain, parce qu'on a fait des études sur la pandémie, qu'est-ce qui a été négocié dans le cadre de la pandémie, puis rapidement, là, ce qui a été négocié, c'est que vous avez protégé vos droits dans le cadre de la pandémie. On n'a pas encore beaucoup d'ententes innovantes qui ressortent du contexte de pandémie à l'heure actuelle. Donc, ça va être dans les mois à venir et les années à venir. Je pense que vous allez être aux tables de négociation prochainement pour négocier le télétravail. Il y a plein d'enjeux qui vont se poser dans le cadre des relations de travail. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on brasse cette soupe-là des organisations syndicales? Y a-t-il des choses à faire? Bien, s'il n'y avait rien à faire, je ne serais pas là et j'étudierais certainement pas toutes les organisations syndicales à l'international. À l'heure actuelle, c'est notre projet de recherche. Je travaille avec mon collègue Grégoire Murray pour l'OIT, puis on recense internationalement quelles sont les innovations puis les expérimentations qui ont été mises en place par les organisations syndicales pour répondre à la crise du syndicalisme, pour rebâtir un monde du travail plus inclusif. Donc, comment ils s'y prennent, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les modèles innovants qui existent un peu partout dans le monde. Donc, il y a nécessairement des organisations syndicales qui étaient plus menacées qu'ici au Québec. Parce que moi, je vous le dis, là, notre fameux 40 % de taux de syndicalisation, là, ça fait plusieurs années que ça nous empêche de bouger au Québec. Ça fait plusieurs années qu'on a l'impression qu'on n'est pas en crise parce qu'on a encore 40 % de taux de syndicalisation. Mais je pense qu'il faut réaliser que le contexte de crise, il est bel et bien là au Québec et il faut vraiment remettre en cause nos pratiques syndicales. Donc, je voulais, en terminant, vous faire un peu les constats qui sont ressortis de nos recherches sur qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'on peut faire et surtout ce que les membres nous ont raconté au Québec dans nos différentes enquêtes. Je vous ai parlé beaucoup des disparités de traitement, je ne reviendrai pas là-dessus, mais quand on a fait l'enquête auprès des 700 jeunes travailleurs dans les organisations syndicales, je vous le dis, cette question-là des disparités de traitement et du traitement différencié pour une même job, ça achalait pas mal de monde. Et ça faisait même remettre en cause la légitimité des organisations syndicales parce que ces jeunes-là ne comprenaient pas comment ça se fait qu'une organisation syndicale qui vient chercher ses cotisations syndicales
soient capables de négocier des conditions de travail qui sont mieux pour des plus anciens que pour les jeunes. Donc ça, ça achalait vraiment cette question-là de différenciation de traitement, que ce soit pour la date d'embauche, que ce soit pour le statut, etc. Ça achalait beaucoup de monde. Toute la question des luttes au-delà des milieux de travail, ça, là, il y a un message qu'il faut qu'il soit martelé dans nos organisations syndicales, c'est que un syndicalisme sans action politique, c'est pas un syndicat. Bon, voilà, c'est une organisation corporatiste qui s'occupe des intérêts économiques, mais une organisation syndicale qui s'occupe pas de politique ne fait pas sa job. C'est le plus simple que je peux le dire. Il y a un terrain à investir. Il faut que les organisations syndicales parlent au nom de l'ensemble des travailleurs. Vous êtes une gang de privilégiés, puis il faut vous le dire. Puis moi, je vous en veux pas d'être privilégié. Je le suis, moi aussi, syndiqué. Hein. Mais quand on est privilégié, on a un devoir. On a un devoir d'améliorer le sort de tout le monde. Et l'action politique des organisations syndicales est indispensable. Et c'est pour ça que le syndicalisme de centrale est si important au Québec, parce que ce sont les grandes centrales syndicales qui font ce travail-là dans les sphères politiques. Mais tous les syndicats devraient faire de l'action politique pour améliorer ces protections sociales-là. Peut-être que dans les prochaines années, il va y avoir une certaine prise de conscience de la nécessité de l'action des syndicats au-delà des milieux de travail, ne serait-ce que par la crise climatique. On est en train de monter une école d'été sur cette question-là, l'avenir du travail, la crise climatique, comment ça interpelle les organisations syndicales et comment elles doivent faire partie de cette lutte-là. Donc, probablement qu'une cause comme celle-là va pouvoir rallier plus largement, mais de façon très large, je vous le dis, une organisation syndicale qui ne fait pas d'action politique ne fait pas son boulot à l'heure actuelle. Il y a des initiatives qui ont fonctionné aussi. Ce qu'on a étudié pour les jeunes travailleurs, entre autres, ça concernait tous les programmes d'éducation très larges qui ont été mis en place dans les organisations syndicales. Et curieusement, au Québec, ces programmes d'éducation-là à large portée étaient destinés uniquement aux jeunes. Donc, les camps de la relève, les camps pour les jeunes, etc. Donc, on emmène ces jeunes travailleurs-là, puis on leur montre c'est quoi un syndicat, on leur montre à quoi ça sert, on leur montre c'est quoi les grandes luttes syndicales, le pourquoi de la chose, etc. On fait de l'éducation politique. Mais honnêtement, ces initiatives-là doivent être étendues plus largement. Donc, ça ne doit pas s'adresser uniquement aux jeunes. Puis tant mieux pour la relève syndicale qu'elle ait été confrontée à ce genre d'initiatives-là. Mais ça devrait être à beaucoup plus large portée dans nos organisations syndicales parce qu'on a, dans le passé, fait le choix suivant dans les organisations syndicales. On a plus formé qu'éduqué. Donc, vous avez une structure de formation. Tu veux faire de la santé-sécurité, on va te former en santé-sécurité. Tu veux aller négocier, on va te donner une formation en égo. Tu veux agir comme délégué, voici la formation déléguée. Mais une éducation large pour amener le membership à être critique sur leur propre organisation, l'informer sur ce qui se passe un peu ailleurs, ouvrir un peu les horizons des membres. Donc, une éducation politique à portée sociale. On n'a pas investi massivement dans nos organisations syndicales. Et d'ailleurs, c'est un rôle traditionnel que nos organisations syndicales portaient. C'était des éducateurs populaires. Et on a un peu perdu ce rôle-là au fil des années du côté des organisations syndicales. Et il faut réinvestir dans ce rôle-là. Autre constat majeur chez les jeunes, mais aussi chez les femmes, mais aussi chez les représentants des minorités, nos organisations syndicales sont très rodées. C'est des grosses machines. Ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de comités, il y a beaucoup de règles, de procédures. Mais c'est assez étanche. Donc, ce qu'on se rendait compte et ce qu'on nous a raconté dans les focus groups qu'on a menés, surtout auprès des jeunes, c'est que il y avait beaucoup de blocages au niveau local pour faire de la place à la relève et pour faire de la place aux personnes qui sont un peu différentes ou les groupes marginalisés dans nos organisations syndicales. Donc, je vous parlais de la nécessité d'être représentatif du membership. Bien, il faut se la poser, cette question-là. Et si c'est une obligation pour les entreprises, ça devrait être une obligation pour les organisations syndicales aussi de se dire, bien, on a 60 % de femmes dans notre membership, ça nous prend 60 % de femmes dans notre structure d'élus, parce que c'est comme ça que notre membership, il est constitué. Il faut ouvrir la réflexion aussi sur les raisons qui empêchent les membres, les groupes plus marginalisés à se présenter
dans les postes électifs. Donc, il ne faut pas se contenter de dire bien, il n'y a personne qui s'est présenté, donc il faut se demander pourquoi ils ne se sont pas présentés, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait changer pour qu'ils se présentent. Donc, c'est à nous, comme organisation syndicale, d'avoir ce leadership-là pour aller chercher plus de diversité. Constat de Holgate sur les stratégies des dernières années des organisations syndicales sur le organizing. On a voulu syndiquer massivement dans les dernières années. Et pour Holgate, ce que cette chercheure-là nous dit, c'est que ben, les organisations syndicales qui ont eu cette stratégie-là sont carrément passées à côté de la cible. Parce qu'il ne s'agit pas juste de syndiquer plus. Hein? Il s'agit aussi de voir si notre modèle de représentation il est adéquat pour les travailleurs qu'on accueille. Donc, on ne peut pas offrir un moule à tout le monde et espérer que tout le monde va se faire dans ce moule-là, va s'épanouir dans le moule qu'on offre. Il faut avoir cette capacité-là de se remettre en question puis de dire, bien, comment on peut, nous, comme organisation, changer pour permettre à ces groupes-là d'avoir leur propre couleur ou une couleur distincte ou de les organiser différemment. Puis comment on peut à être, nous aussi, flexibles puis offrir différents modèles de représentation. Donc, il faut nécessairement réfléchir sur le moule qu'on est capable d'offrir. Autre stratégie qui est offerte dans la littérature, on parle beaucoup de leadership transformationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire exactement ce qu'on n'a pas fait dans les dernières années. Ça veut dire que il faut pas voir l'action syndicale comme certains groupes d'élus, souvent pas beaucoup, en qui on investit beaucoup de ressources pour qu'ils deviennent ultra performants, ultra compétents, et on a l'impression au fil des années que personne d'autre au monde ne pourrait les remplacer parce qu'ils ont tellement été formés, ils connaissent tellement bien l'action syndicale que ça paraît quasiment comme inaccessible pour le commun des mortels au sein du membership. Donc, quand on parle d'un leadership transformationnel, c'est qu'il faut être capable, dans nos milieux, de partager le leadership. Donc, et le syndicalisme, ça ne doit pas être les membres versus l'exécutif. Puis, quand un membre s'adresse à l'exécutif syndical, il ne faut surtout pas que ce qui sorte de sa bouche, c'est « vous autres, le syndicat ». Hein? Vous avez sûrement ce phénomène-là d'un membre qui ne s'identifie surtout pas à l'organisation syndicale et surtout pas à l'exécutif. Et vous avez probablement des exécutifs dans vos locaux où les gens sont très essoufflés parce que l'ensemble des responsabilités repose sur les épaules d'un groupe pas très nombreux, bien souvent. Donc, il faut, comme organisation syndicale, préserver nos militants. Hein? Puis pour les préserver, ça veut dire qu'il faut décentraliser souvent les responsabilités et prévoir des façons de partager ce leadership-là. Puis entre autres, en négociation collective, hein, il y a des nouvelles approches qui sont suggérées dans la littérature, mais c'est dire arrêter de tout miser sur un comité restreint d'experts qui s'en va négocier. Investissez davantage les membres, faites-les travailler plus dans le cadre des négociations, consultez-les plus. Diffuser plus d'informations, même si dans les années passées, c'était sacro-saint le contrôle de l'information. Là, on dit non, ouvrez les vannes, impliquez les membres, soyez et rendez le travail syndical visible pour que les gens se rendent compte de ce que vous faites. Donc, si vous faites du syndicalisme de gestion de grief, croyez-moi que vos membres le savent, parce que probablement qu'ils n'entendent pas parler beaucoup de vous autres. Hein? Du travail de grief, c'est essentiel. Hein? Vous savez toutes que c'est essentiel de défendre les droits de nos travailleurs avec la 47.2 et tout ça, mais c'est un travail qui est purement invisible. Donc, variez les moyens d'action, faites des campagnes dans les milieux de travail. Vous avez un grief sur une problématique, puis vous savez que cette problématique-là ne touche pas juste un travailleur, bien sortez. Sortez en campagne, organisez des campagnes, organisez aussi plus de comités consultatifs. Ça ne sera pas facile au départ, puis je ne suis pas en train de vous dire que c'est si évident, parce que si ça l'était, tout le monde l'aurait déjà fait. Mais comment on peut réunir les ingrédients pour favoriser cette décentralisation-là dans nos milieux de travail, favoriser un roulement chez les élus aussi, pour que la responsabilité ne repose pas sur les épaules d'un groupe très, très restreint. Finalement, le sentiment d'appartenance, et je vais m'arrêter là, nous, ça nous avait quand même beaucoup surpris. C'est un lien avec l'image syndicale, mais quand on avait interrogé les jeunes travailleurs, il y en a qui nous disaient que cette image négative-là que dégageaient les organisations syndicales, ça les empêchait de participer activement. Puis ça générait chez eux jusqu'à un sentiment de honte. C'était honteux pour eux d'appartenir à un syndicat parce qu'ils étaient identifiés ou associés à un groupe
de pas travaillants, de personnes qui voulaient pas être performants au travail, etc., des personnes qui sont toujours en conflit, alors que il y a des initiatives dans le monde qui ont été mises de l'avant par des organisations syndicales. On a vraiment travaillé sur le sentiment d'appartenance et ça fonctionne. Il y a entre autres en France, là, ce que je trouvais super intéressant, c'était toutes les initiatives d'accompagnement. Donc, on faisait revenir les anciens militants retraités pour discuter avec les jeunes sur les luttes passées, faire connaître l'histoire syndicale, mettre en place des médiums, hein, des canaux de diffusion du message syndical, parce que souvent, notre erreur, c'est qu'on prêche à des convertis. Hein, puis si vous vous parlez sur Facebook, vous vous parlez aussi entre vous autres, on va dire vraies affaires, là, vous n'avez pas beaucoup d'ennemis dans votre réseau Facebook. Donc, on prêche souvent entre convertis, on se comprend beaucoup entre nous, mais il faut oser aller au-delà de ce réseau confortable-là. Il faut aller oser parler des affaires syndicales à l'extérieur de nos réseaux traditionnels. Et à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de leaders syndicaux. Le message syndical, il passe pas beaucoup dans les médias traditionnels. Donc, il faut absolument penser à des moyens, à des campagnes pour revaloriser l'image des syndicats et l'utilité, la légitimité des syndicats à l'échelle sociale. Et la vérité, c'est qu'au Québec, nos organisations syndicales, on est dans plusieurs fronts de concertation, de dialogue social. Beaucoup d'entreprises au Québec ont passé au travers de la crise de la COVID parce que les organisations syndicales, elles ont aidé à réinventer le travail. Les travailleurs ont mis la main à la pâte aussi. Donc, ça aussi, il faut en parler. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'on a aidé les employeurs parce que dans beaucoup de milieux, je sais que les gestionnaires n'avaient aucune réponse à donner à la crise et on était obligés de se concerter, de dialoguer pour essayer de trouver ensemble c'était quoi la meilleure voie pour faire face à cette patente qui était la COVID. Ça n'a pas été évident, mais on a vu durant la COVID un renforcement du dialogue social dans plusieurs milieux, pas toutes. Il y a eu des employeurs au Québec qui, évidemment, ont décidé qu'ils faisaient cavalier seul, qui ont eu une approche ultra-autoritaire. Mais ce n'est pas les milieux qui, selon moi, ont le mieux réussi. Ce n'est pas les milieux où il y a le plus d'innovation non plus. Les milieux où il y a eu beaucoup d'innovation, où on a réinventé le travail, c'est les milieux où il y a eu du dialogue social. Et ça, bien, ça démontre toute l'utilité des organisations syndicales. Donc, je ne veux pas que vous reteniez juste le portrait noir que je vous ai présenté en début de présentation. Je veux que vous reteniez qu'il y a des choses qui sont possibles à faire. Mais il faut réellement se questionner et questionner nos pratiques syndicales. Et je pense que les deux prochains jours vont vous permettre de faire exactement ça. Donc, merci beaucoup.